Yo tout le monde, cinquième épisode de notre let's play sur Tales of Arise. Donc on était arrivé à la nouvelle zone, donc du coup j'ai oublié le nom d'ailleurs. Bon, le point de voyage a été débloqué, ça c'est fait. Alors du coup, attends, il faut que j'aille où? Tiens d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que j'ai des points à utiliser? Pas vraiment. Ouais, pareil pour Shion. Putain, mais le nombre de trucs qu'il va falloir débloquer, putain. Bon. Du coup. Par contre, t'en as un peu en retard à niveau XP, hein. Je sais pas trop comment on fait pour farmer l'XP. Alors attends, du coup, il faut que j'aille tout là-bas. 6 Lodia, voilà, c'est ça. Bon, bah allez. On va voir un petit peu les mobs level 12, ok. ゼーベルのからぐり屋のとはだいぶ違うんだな。寒い国だからね。それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利に戦えそうね。 Attends, c'est un... Ah non, faut que je saute, ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de dégâts de chute. Faut que j'aille à droite. Bon, pour l'instant, autant faire le plus de combats qu'on peut. Merde, putain. J'ai toujours encore du mal avec les combos. Elle a des PS encore. Ouais, bon, heureusement qu'on va avoir... Heureusement qu'il y a un campement à côté. L'orfèvre peut fabriquer des accessoires pour vous en utilisant le minerai que vous récupérez sur les sites d'extraction. Quand vous aurez renforcé un accessoire et que vous lui aurez conféré de nouvelles compétences, vous pourrez transférer l'ensemble de ces compétences à un autre accessoire. D'accord. Bah du coup déjà, ouais. Ah ouais, donc c'est à ça que ça sert. Donc c'est intéressant d'aller les chercher dès qu'on peut. Arte et les éventuelles compétences bonus rattachées à ce minerai seront alors transmises à l'accessoire créé. Chaque minerai peut posséder jusqu'à 4 compétences. Plus un minerai est rare, plus il contient de compétences. Pour activer ces compétences bonus, les accessoires fabriqués à partir de ces minerais doivent être améliorés. C'est trop bien ça. Améliorer un accessoire augmente son niveau et active ses compétences bonus. Pour pouvoir améliorer un accessoire, il faut du minerai et d'autres accessoires. Plus ces matériaux sont rares, plus le niveau de l'accessoire amélioré sera élevé. Ouais, j'ai pas tout compris, mais bon. Mmh.
よし。いいな。そうね。おう。Oh là là, c'est vraiment... D'accord. Sion, manzoku jita ka? Juvun yo. Are dake tabetara manpuku ni mo naru ka? Ara hachibu de yamete. On va se reposer quand même parce que voilà. Je sais pas si avec cette histoire de Shizuka da na. Yuki no sei da yo. Oto o suikonjau nda.近づからでも逆に聞こえんわけか。厄介だな。同じダナ人にすら用心しなきゃならないなんて、そんな社会を作り上げたシスロディアのスルド、どんなやつなんだろう。どんな相手だろうと勝ってもらわないと困る。分かってるよ。そのために来たんだ。明日もよろしくな。もうこれで c'est fait。On est sûr que on est reposé et qu'on a des pièces。十分休めたな。Alors, du coup, le chemin, bon, c'est un tout droit. Hein, donc, autant faire quelques combats et récupérer quelques minerais. Oh, sérieusement? Bon, par contre, si tu te mets devant, moi je tape pas. Ok. Pareil, il y en a ici.Ok. En vrai, je me fais pas de soucis parce que j'ai vu un petit peu à quoi ressemblent les combats en endgame. Et c'est vachement plus stylé, hein. Donc, quelque part, c'est cool qu'au début ce soit tranquille et tout. Comme ça, après, dès qu'on sera bien dans le jeu, là, ça va être vraiment bien. En plus, le jeu est quand même relativement long. On est passé 11, c'est parfait. On arrive au bout là d'ailleurs. Bon, j'ai pas encore trop exploré, mais bon, de toute façon, vu qu'on va avoir de multiples zones. あんなところに家が。人が暮らしているのか。メザイ224ありふれた小さな村だよ。何か聞こえる。争っているような。執行隊蛇の目が来てるんだ。迂回した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど、住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう、抗わないなら嘆くのもやめるべきね。ずっと私たちを押さえつけてきた光り目のくせによくそんなことが。よせ。だってこいつ300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。お前もだシオン。敬意を無視して今だけで語るな。
それで今あの村で何が起きているんだ。多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ、奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めて、その結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか。わかる、と思う。よし、ならやれ。シオン、聞いてなかったの？私はやらないわよ。わかっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり？ああ、これは俺のわがままだからな。わがままって、あなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする、俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの？終わるまで隠れてろ、いいな。クソ、やっぱりここでもダナは虐げられている。Bon. Putain, ils ont des flingues. やめろ！石付きの分際でスレド閣下の命令に立てつく気か！何者だ！炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ。お前、ローか。何をしてるの？戦うんじゃなかったの？生きていたんだな。今さら何の用だ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロー、お前たちを拘束する。Mais qu'est-ce qu'il fout là, le loup, genre? Oh, attends. On va déjà se débarrasser un petit peu de tous les mobs là. Attends, je peux pas utiliser l'épée ardente là ou c'est moi? Ah ouais, d'accord, ouais, non, je peux pas utiliser l'épée ardente. On va, ouais. Et tant qui ? Ah.
うしたんだジルファ、なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ジルファ手を出すな。だけどせがれなんだ。あぼ今頃思い出したのかよ。避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。くたばれ。リベル、今のはJe, bon, il pousse un petit somme là. Yotiro, Yatra, Pusso, Sizo! Pekino, Engunda, Hono, Tsurgi, Otskainatai! Murida, Murano, Hitachi, Omakonishma! Itaiko! Ah oui, merde, c'est pour ça qu'il voulait pas l'utiliser. Jiva! Omae Tachi Dagadaike. Daga! Aitso, Nokosto, Ikenai. Arfe, Hayakunatai! Oretachi, no Tatakaiwa, Dosunda! Mina, Anto, Ateniste!すまん。あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追ってもね。これからどうするつもり。決まってる。ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき確かに光ってはいなかった。あなたは光り目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い。そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど。それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から。うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナーでも。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって。そう、父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ。わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。
ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも。今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろ。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの。それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ。私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。いいのか。あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。Ah, du coup, elle est dans l'équipe ? どうしたの？いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ。まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスルディアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか。カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。あ、まじジェニアルだ。昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない？それはレナの仕業なのか。なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。わかった。だが今はジルファのことが先だ。Point fort de Rinoel. Ok, donc elle est bien dans le truc. Au moment de lancer un arté, maintenez la touche correspondante pour retarder son activation jusqu'à ce que vous lâchiez pour le charger et le garder plus tard. Appuyez sur R1. Les artés chargés s'activent après votre attaque ou arté suivant et s'utilisent dans des combos. Si vous, lancez le même arté que celui qui est chargé, ils fusionneront pour lancer un sort de niveau supérieur. Il peut s'agir d'artés que Rinoel ne connaît pas encore ou qui peuvent être activés qu'avec des combinaisons spéciales. N'hésitez pas à faire des essais pour voir ce que les différentes associations peuvent vous offrir. Hootel vous avertit lorsqu'un hibou se cache sur votre carte. Observez la réaction de Hootel pour trouver des hiboux facilement. Plus vous vous approchez de l'un d'eux, plus Hootel se manifeste. Ok. Ok. Il y a quelques trucs qu'on peut débloquer avec elle. Pour l'instant, il vaut mieux qu'on débloque ça. Et le reste, on verra. Bon, du coup.Ok, donc il faut que je retourne là-bas. On va voir un petit peu les combats, qu'est-ce que ça donne.倒したぞ。どういうと炎よ下げろ。待ってろ。うっしゃる。
Ok, bah déjà c'est plus efficace les combats comme ça. Beaucoup plus efficace même. Ah, j'aurais dû voir un petit peu ce que ça donne avec Rinwell. Bon, c'est pas grave, je regarderai après. Merde, putain, n'importe quoi. Bon, on revient dans le village hein, du coup. Je vais faire un petit coup de R1 là. バンブツ継承の源は6つの聖髄によりて例外なし。それで我ら闇をかけ、彼ら光をかく。すなわち、全きを縁とする。何をつぶやいているんだ？魔法の詠唱の練習。詠唱？じゃあ、今の魔法の呪文なのか？そうじゃないけど、いざって時に素早く正確に発音する必要があるから口を鳴らしてるんだ。 なるべく使わないようにしてたし。一族でずっと人の目を避けてきたんだったな。リンウェル以外の魔法使いの人たちはどうしているんだ？悪かった。聞かれたくないことだったのか。ごめん。Alors, je sais pas si ses parents sont morts ou pas, mais j'en sais rien, ça se trouve. Shizukane. Sore rashiki hitokage mo mienai. Mou tsurete kare te shimatta no ka? Nee, mura no hito ni hanashi o kiku nara kakurete temo iimi nai yo. Sore ni douse dare kashira ga mikkoku suru to omou. Oi, Shion. その子の言うことは最もだわ。どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにも敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。まったくだ。 村の人に話を聞いてみようよ。メザイ224。変わった名前だな。メザイっていうのは、あ、メアだと、イフォグラム。小さい村を示す符号みたいなものだよ。地名じゃないのか。じゃあ224は、うん、管理のためのただの投資番号。地名すら管理されてるっていうか。 あんたたち、執行隊が連れてった人の仲間だろ。出てってくれ。巻き込まれるのはごめんだ。すぐ出ていくから質問に答えなさい。その執行隊はどこに向かったの？シスロだ、主婦だ。
そう言ってた。やっぱり。しかし、なんでこんなことに。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロデンに連れて行かれて戻ってきたやつはいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。かまうもんか。密告したけりゃすればいい。シスロデンは収容所なのか。主婦なんだろ。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。きっともう生きちゃいない。行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。行こう、シスロデンへ。Putain, c'est gay. Alors attends, du coup. Il y a un hibou dans le coin, c'est ça? C'est quoi qui fait ce bruit ? Non, c'est quand même pas la vache, je refuse d'y croire. Attends, tu peux examiner ça. Ah bah oui, il est là. Lol. J'avais même pas vu. Hein ? Où ça, il y a des ennuis ? Ah oui, non, c'est genre les messages pour dire que. もともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。ズーグルか？うん、狼のね。ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった、気をつけよう。Ok, donc c'est bien par là. Ouais, autant profiter du campement. Rimmel, Kegaをしたらシオンに言うんだぞ. On peut faire un truc. Allez hop. よし、できた。みんな驚くぞ。シオン、少しいいか。休もうとしてたのに、何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。少し話すくらいのことがそんなに面倒か。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって、普段から話してないといざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり
一緒に行動するなら、いがみ合ったままより、そうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よくわからないわ、うん、でも、あなたがそういうことを気にしているというのはわかった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、だからできる範囲でもう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみなさい。少しは…そろそろ休みましょう。Je sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter de casser les couilles, mais bon. それで、いつまでこうしてるつもりなの？ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。そう？ならいいけど。またすべきことを忘れたのかと心配になったわ。言われなくても分かってる。アルフェン、こっちは準備できてるよ。ああ、分かった。寝る前も話し込んでたよね。あの光目と何話してるの？特別なことは何も。ただ話せば。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど、仲良くする必要なんてないじゃない。この先も当分一緒に行動するんだ。ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。それにどっちかが命令するだけじゃ、できることならお互いのことをちゃんと分かった上で対等に協力したい。だからって、だいたい向こうもそんな気はなさそうだけど。ジルファがいなくなった途端、こんなギスギスしてたんじゃ勝てるものも勝てない。とにかくもう少し話を重ねてみるしかないか。OK、donc on a un nouveau truc. Permet de lancer une contre-attaque en appuyant sur R1 quand vous éliminez un ennemi. OK. Pourquoi pas. Bon. 先を急ぐわよ。On y est dans la forêt là. On a encore un petit peu de temps pour la vidéo. やり過ごして森を抜けたか、それともすでに襲われたか、どちらかね。嫌なことを言う。事実を言っただけよ。急ぐんでしょ。大丈夫だよ、ウルル。オッケー。こう視界が悪いと。On voit pas grand chose. ダナの精霊術ね。言いたいことでもあるの？これは価値があると思うわ。Faut que je saute là, c'est ça? Ah, ou alors il faut que je fasse le tour. Ouais. サイガネ、凍えそうだわ。早いところ上がろう。炎の剣は無事か？濡れたくらいじゃ問題ないわよ。Ah bah tiens, il y a ces saloperies aussi ici.剣乱の裁き。下げろ。
OK. 怪我はなかった？Le poison il fait mal quand même. Ok, c'était stylé. De toute façon, d'un moment, on va en avoir de plus en plus de toute façon. あのさ、私の魔法のことだけど。あまり大っぴらにしてほしくないんだな。うん、ごめん。あの村で使っておいて。よせしお。あの人が。え？シルファが死ぬのが嫌だった。だから。ああ。リンウェルが助けてくれなかったら危なかった。うん。ほら、楽勝だったね、フルル。Alors attends, la carte, où est-ce qu'on en est là? Faut qu'on aille tout là-bas, donc faut qu'on passe... Merde! Je crois qu'il faut qu'on descende pour aller à gauche. De toute façon, là, je pense que là, les combats pour avoir de l'XP, ça va être le plus important. Juste pour essayer un petit peu comment elle joue. これで終わりだ。その調子で続けるか。精霊力を叩き込む。Bon, c'est assez basique hein, pour un mage, généralement c'est juste elle joue vraiment à distance et puis... Je pense que les prochains persos qu'on aura, ils seront un petit peu mieux, enfin un petit peu plus fun à jouer on va dire. Ouais c'est par là. Oh, c'est un gros ça non? Juste des glaces alpha, ouais c'est bien ce qui me semblait. Attends, il y a deux chemins là. On va voir le petit chemin pour voir ce qu'il y a là-bas. Bon, allez, vas-y, un gros petit combat là.
Deux berserkers, super. Et bien. Bah, j'ai pas pu esquiver. J'espère qu'elle va pouvoir me réa. Oui, c'est bon. Oh, mais je prends tellement cher. Ouais bon attends. Là j'ai peut-être un peu sous-estimé les mobs. Ouais mais du coup putain j'ai plus de points de soins, c'est de la merde. Du coup j'espère que ça va bientôt être fini là la zone. Ça veut dire que c'est un boss ça, non? Ouais, acheter... Est-ce que à la limite ils ont... Il a pas d'arme, attends. Il faut que je crée... Il faut deux crinières de bête et une plume tranchante, super. Bon déjà je peux crafter celle-ci. Ce sera déjà bien mieux. Oh, ça augmente les dégâts des artés, ça c'est cool. Ça c'est fusil. J'ai déjà crafté un petit peu des trucs mieux. On va crafter ça. Et pour elle, bah, on peut pas faire grand chose pour l'instant. Alors attends, non merde, c'est équipement. Ouais, autant que j'équipe je peux en équiper qu'un seul pour l'instant. Après attends, est-ce que je peux en créer d'autres? Ouais je peux en crafter. Dégâts. Alors attends. On en a crafté deux comme ça, je vais les équiper à... Donc, tac, et sur elle... Ouais. On va faire comme ça. Bon bah c'est parti hein, du coup, hein. J'imagine que c'est un boss. Yeah.
Bon alors juste pour vous mettre dans le bain, j'ai mis la difficulté un cran en dessous parce que le boss est juste complètement casse-couille dans le sens où déjà il a une hitbox complètement pétée, c'est un sac à PV et en plus de ça si le jeu décide de vous niquer il fait en sorte que le boss vous met un coup critique et du coup vous faites one shot alors que la plupart des attaques vous voyez pas ce qu'il fait. Donc du coup c'est vraiment bien. Voilà, concrètement là vous voyez normalement j'aurais dû me faire one shot par cette attaque si je l'avais pas baissé un cran en dessus. Enfin en dessous. Donc du coup je suis dégoûté de voir baisser la difficulté tout simplement parce que les développeurs ont décidé de créer un sac à PV innommable. Parce que la plupart de ces attaques sont pas difficiles à esquiver, mais le problème c'est que il y a des moments ces attaques sont littéralement hors cadre. Et se faire one shot juste parce que tu fais une erreur, c'est pas drôle. Ça n'amuse personne et ça me dégoûte de changer de la difficulté juste pour cette raison. Mais je suis obligé. Je suis obligé parce que sinon je vais jamais passer ce boss de merde. C'est une des premières fois que ça m'arrive de changer la difficulté sur un truc. Et je pense pas que c'est la faute au leveling. Parce que je pense que tout le monde à ce stade, on est au même level. Donc je pense que le vrai problème c'est juste ils ont décidé de faire un sacré PV et du coup personne s'habille. Personne s'amuse, enfin bref. Je pense que le début du jeu c'est toujours un peu comme ça pour tout le monde, mais il y a un moment donné il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Là c'est juste de la difficulté artificielle d'avoir créé un sac à PV comme ça et... Voilà, je suis vraiment obligé de jouer en mode de but. Ça n'amuse personne de jouer comme ça, ça n'amuse personne. À partir du moment où on est obligé de faire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans l'équilibrage et que personne s'amuse à cause de ça. Enfin bref. Bon, on va passer ce boss hein, normalement dans cette difficulté. En fait à chaque fois je me faisais niquer sur la dernière phase. Tout simplement parce que j'avais pas assez de points de soin et que le boss il faisait des attaques qui étaient littéralement impossibles à esquiver. À moins d'être devin et de savoir où est-ce qu'il a les dash. Moi je crois que je lui cancel son truc qui fait qu'il appelle des coéquipiers. En plus pareil, vous voyez cette attaque là, le nombre de fois que je me suis fait niquer par ça et celle-ci aussi, voilà le truc où il dash. Le problème c'est que faut vraiment prier sur l'intelligence artificielle de vos alliés pour qu'ils esquivent correctement l'attaque parce que vous pouvez strictement rien faire pour les aider à ce niveau là. Et quand ça arrive pas, du coup il meurt parce qu'il se prennent un critique. Et du coup elle est obligée d'utiliser sa technique de résurrection et après vous avez plus de points de soin donc vous êtes niqué. Oh putain, ils sont sortis de nulle part eux. De celui-là là. Le boss est plus simple comme ça mais franchement le pire je pense j'ai une petite pensée pour les gens qui font le jeu en difficile parce que vraiment le sac à PV que ce doit être ça doit être innommable. Ouais franchement j'ai mal joué hein, je pense là. Bon après ça va, on a quand même au vu de la vie qu'il a, je pense que si on fait pas trop de conneries, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. J'ai pas vraiment besoin de la soigner. Ah.
là ça devrait les tuer. C'est bon, il est mort. Oh, le fait d'avoir baissé la difficulté pour le passer, ça ne me plaît pas du tout. Et là pour le coup, vraiment je suis désolé. Je suis pas du genre à me plaindre dans les combats et les jeux comme ça, mais là c'est mérité. Je suis désolé, mais c'est pas normal que le boss ce soit un putain de sac à PV et que on fait une seule erreur et ça y est, on se fait punir instantanément. Je suis désolé, mais c'est pas normal.何者だったのかしら。ひょっとしてあれがこの国のスルドガナベルトなのか。スルドが一人で外をうろつくとも思えないけど、それにレナ人がズグルを殺す理由がないわ。何にせよ顔を合わせなくて正解だったみたいだ。見ろよ、すべて人たち、ただものじゃない。大丈夫か。あ、うん、今はジルファ王を。 Ok, alors attends, par rapport à la map. Bon, on y est, donc on va aller là et on va finir l'épisode là-dessus parce que ça fait 1h30 hein, de record hein, pour vous dire le temps que j'ai passé sur ce boss de merde. Pour au final abandonner et me dire qu'il fallait que je baisse la difficulté, mais c'est... Non, je suis désolé, juste un sac à PV, c'est pas normal. Bon, je vais arrêter de me plaindre. On verra bien plus tard, de toute façon je pense que d'ici là on aura plus d'options. Quand on aura plus d'options pour faire les boss et tout, là ce sera plus sympa. Mais là le problème c'est qu'on est encore au début du jeu, on n'a pas beaucoup d'attaques, on n'a pas beaucoup de possibilités. Donc mais c'est pas normal de nous mettre un sac à PV à ce stade, c'est pas drôle. Juste pas drôle. Bon allez, on oublie, on passe à autre chose. たまたま村で敵の一員として居合わせたジルファの息子、村から逃げた私たちを追ってこなかった蛇の目。これは本当に偶然なの？罠だっていうのか？そんな、私は精霊術のことがなければ疑うところだけど、それは考えにくいわね。自覚のない駒かもしれないけど、 狙いは何だ？ジルファを捕まえるためか。わからない。ただあまりに出来すぎているというだけ。考えても仕方ないわ。どの道私たちはスルドのもとに行くのだし。どうやって入るの？え？まさか蛇の巣に正門から堂々と入るわけじゃないんでしょ。町のそばの泉、その近くに抜け穴がある。 Bon. Bon, de toute façon, on est obligé. Et puis, écoutez, avec ça, on va en finir avec cet épisode. Bah, écoutez, c'était pas le meilleur épisode, hein, clairement.
何？C'était clairement pas le meilleur épisode, hein. Putain. Yoshi, dekita. Min. Rimmel. Chotto harasou. Ururu.何かあったら呼んでね。今日もよろしくね。Bon allez, ça c'est fait. Bon et bien écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré ce boss un petit peu laborieux. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et la suite du jeu sur la chaîne. À plus tout le monde.